Ce dernier dimanche du mois de mars a vu l'entrée en vigueur de la saison été de l'IATA. 250 compagnies aériennes de l'association se chargent de 84% du trafic mondial de passagers. Chaque année, l'IATA doit établir un calendrier afin de coordonner ce trafic dense et les autres activités économiques aéroportuaires. Si vous êtes de ceux qui ont eu un vol reprogrammé dernièrement, c'est peut-être cela la raison. C'est normal qu'à certains moments, vraiment, airline pour amène ce chart ou ce calendrier dans ce cas de figure, nous fait des choses qui nous donnent passagers. Ce qu'on appelle une reroute, ça veut dire que ce car va à la destination finale pas via une autre destination, ou sinon je change date à the end of the day, à arriver à cette destination finale. Ces changements affectent aussi la compagnie d'aviation nationale. Air Mauritius communique que ces modulations d'horaires sont courantes. Les raisons évoquées sont d'ordre opérationnel et commercial. Les changements occasionnent un réajustement des plans de vol des clients. Ajma Timkaouri gère une agence de voyage. Il vient de prendre connaissance de certains changements à prévoir. Pour nous, c'est un normal process. Quand nous rentrons au bureau, le matin jusqu'à l'après-midi ou même dans la soirée, nous gagnons communication. Il n'est pas disponible pour Mauritius, il est pour tout lien aérien, tout un major change. Si un changement n'est pas grave, il y a quelques minutes, etc., nous ne pouvons pas bother le client. Mais comme un changement, il y a un petit peu plus accru et nous avons besoin d'adapter à ce moment-là, nous nous faisons réaliser. L'agence de voyage s'occupera aussi des changements pour les passagers ayant à prendre une connexion aérienne à condition que la desserte pour la destination finale figure sur un unique ticket réservé auprès de l'agence.